Alors Dolly, petite balade du matin avec le lever de soleil là-bas qui est magnifique. Voilà. La mer à côté. Et notre spot. Voilà, nous, on n'est pas en bord de plage, on est un peu plus à l'écart. Mais c'est vraiment très joli. Alors on va voir, j'espère que ça donnera bien de filmer parce que mes mères, des fois, elles tirent un petit peu. En fait, c'est un spot où il n'y a pas trop de monde quand même parce qu'en fait, on est derrière les champs de culture. Voilà. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! La Fifi, elle est belle! L'endroit est magnifique, elle a l'air d'avoir un héron, mais je vais attendre un petit peu parce que voilà, il fallait attendre que Dolly veuille bien venir. Donc, nous avons un héron là-bas. Est-ce que vous le voyez? On va essayer de s'approcher gentiment. Voilà. Eh oui, Dolly, t'as une corde, alors faut faire attention là où tu vas. Si tu t'enroules, tu peux plus passer. Allez, reviens en arrière. Allez, là-bas, allez. Tu vois bien que t'es bloqué? Allez. Ah, elle comprend pas ce qui se passe. On va l'attendre un petit peu. Je pense qu'elle va comprendre au bout d'une minute, deux, trois, une heure. Suis ta corde. Allez. Allez, allez, allez. Tu vois bien que t'es bloqué. Tu vois bien que t'es bloqué. Ah non, tu peux pas par là. Reviens en arrière. Voilà, c'est bien. Voilà, t'as vu? Voilà, un peu de patience et elle apprend d'elle-même, hein. Parce que sinon, je serais toujours en train de la désentourer. Donc, faut bien qu'elle apprenne. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammés, géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. Géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, géotrouvé. Géotrouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. Géocaché, géotrouvé. Vous apportez de la gaieté. Allez, venez, venez vous amuser. Alors, nous partons avec Mégane, Pupus qui est en dessous, Franck qui est là, et surtout, qui c'est ça? Vous la connaissez maintenant? Hein, c'est Dolly qui va pour son premier géocaching. La petite pupuce, elle suit bien, hein? La pupuce! Et Mégane qui est à fond dans le géocaching là. Alors Dolly qui est en mode je vais être la première à trouver la géocache. C'est un géodog. Mais elle a cru que géodog ça voulait dire go. Go dog. Ah bah oui, t'es doué là pour te... Eh, doucement. Regarde, regarde, regarde. T'es bloqué, voilà. Allez, petite balade avec la longe, sans la tenir. On verra bien. Allez, on va essayer de faire un rappel. Dolly! Viens là! Viens! Dolly! Viens ici! Viens ici! Viens ici!
Oui, c'est bien. Allez, viens, Dolly. Allez, viens, allez, viens. C'est bien, ma fille. Attends, 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 attends. C'est bien. Que je te félicite quand même. Allez, va. C'est bien, Dolly. Oh, ça, c'est bien. C'est une bonne chienne. Derecha, Dolly. Derecha, Dolly. Bon, alors géocaching, il serait par là, dans cette direction. Bon, mais Dolly, c'est bien, elle reste dans le coin, c'est bien, ma fille. Elle aime bien son tonton. Oh, il y a un beau caillou là, ce serait pas là? Ah, je sais pas ce que c'est que ce caillou, mais c'est joli. Regardez, c'est marrant ce qu'ils ont mis là. Ah, est-ce que Dolly va se bloquer ou pas? Eh oui, elle s'est bloquée, je me doutais. Hein. Mais elle n'attend pas son papa. C'est par là? Dolly, doucement. Attends, Dolly, attends. Ça peut être partout là dans les cailloux. S'il n'y a pas d'indice, s'il n'y a pas d'indice, ça va être chaud. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des indices, Mégane? Il n'y a pas d'indice. Tiens, j'ai trouvé la boîte. Ah, je regardais par là à un moment donné, mais je n'ai pas bien regardé. C'est peut-être pas ça. Oh, si, c'est sûrement ça. Oh, oui. Ils l'ont écrasé. Elle est destroy. Ils l'ont écrasé avec ça. Il y a beaucoup de quand même hein, pour ça. Non, mais elle est morte la boîte. Bon, c'est des fleurs, des feuilles en plastique. Hein. Bon, mais Dolly, t'as trouvé ta première cache, on va dire. Allez, on va pouvoir loguer. Du coup, la boîte était bien destroy. On lui a refait une cachette parce qu'en fait, ils avaient foutu un gros caillou par-dessus. Donc, ils avaient destroy la boîte. Ils avaient foutu ce gros caillou par-dessus. Et j'ai mis deux soldats pour garder la cache. Voilà, et on est dans un endroit magnifique. Et bien sûr, j'ai l'objet voyageur. Attendez, je vais vous le montrer. Donc j'ai toujours cet objet voyageur qui fait encore que quelques kilomètres avec moi. Il faut qu'il voyage à côté de l'eau. Donc là, je pense que c'est parfait. Bonjour. Oui, qu'est-ce que t'en penses de ta première géocache? Ah oui, c'était pas trop mal. Hein. Il n'y en a pas une autre là, des fois? Non. Non, non, la prochaine, elle est à plus de 150 mètres. C'est pas là. Parce que forcément, on n'a pas le droit de faire mettre des caches à moins de 150 mètres les unes des autres, Dolly, donc tu peux aller plus loin. Presque, remonte à un chouïa. Un chouïa remonte. Tap. C'est marrant l'espèce de jeté naturel qu'il y a. C'est pour faire plaisir à petit BMW. Alors là, il y a beaucoup de manquants. Alors je ne sais pas si tu vas réussir. Mais entre les deux, entre l'espagnol et l'anglais, tu vas peut-être réussir. Et juste là, il y a un QR code. Alors nous approchons de la deuxième cache. Et c'est encore un endroit sympathique.
Ouais, franchement, on peut se garer là sans problème. Et l'endroit est assez sympa. Et regarde ce qu'ils ont fait là. Ils ont dû nettoyer la plage. Ah, les petites plages, elles sont mignonnes. Hein. Et Dolly, elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui se cachait derrière là-bas. Elle se dit, mais t'es mal caché, je te vois. Ah, il y a un moldu. Toi, t'es mon copain. Toi, t'es mon copain. Il se cache. Dolly. Bon, Mégane. Qu'est-ce que vous nous offrez à boire dans votre cahute? Alors, un petit coup de rouge, des crépiaux. Ah, mais merde, tu voulais un petit crépiaux? Alors. Mais comment t'as été là? Ah, t'as été par là! Apparemment, ça serait par là. Devant toi, déplace juste les cailloux. Devant toi, là, voilà. Devant ta main, là, ouais. Oui. Bah encore les pierres. Et elle dit je la vois depuis là. Elle a inventé. Ça te dit juste là, là. Hein? Ouais, je suis dessus là. C'est quoi? Là, hein. Ouais, par là. Là-bas. Le problème, c'est qu'il y a plein de plastique. Alors, savoir si c'est le plastique normal ou si c'est... Bon, je vais reprendre la main avec l'appareil, hein, voir. Et du coup, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est là. J'ai regardé les mêmes poses du toi. C'est qui le meilleur? C'est Dolly la meilleure. C'est Dolly la meilleure. Voilà, il y a juste un petit truc dedans. Je vais peut-être rajouter des choses. Hein. Voilà. J'ai mis une petite fève Superman, une petite balle rebondissante et une petite orange faite en pâte fimo par ma petite nièce, qui est devenue très grande il n'y a pas très longtemps. Oui, elle a pris un an, c'est pour ça. Et voilà, et nous allons la recacher avec un endroit. Oh, je vais pouvoir prendre une photo de l'objet voyageur par là, ça va être trop bien. Une photo que je vais prendre de l'objet voyageur pour envoyer à la personne, elle va être trop contente, je pense. Hein. C'est vraiment beau. Allez, ça. Dolly sur son promontoire. Ah, elle veut pas sauter. C'est bien. Maintenant, elle va se kéblo. C'est le jeu du serpent, faut pas retoucher ta corrigale. Papa, aide-moi. Bien. Bien, Dolly. Oui, c'est bien. Oui, c'est une bonne fifi. Non, mais c'est le gars, il va peut-être le retrouver, mais il est de l'autre côté comme ça. Ah, mais c'est peut-être à lui là, regarde, il a une petite fouette. Bah ouais. Tu veux qu'on aille lui remettre vers son. Ouais, allez. On va voir si. Si c'est à lui. Une bonne. Un bon truc. Puis au pire, sinon, on le mettra sur le côté, le gars qui repassera. On a dit la suite, mais en fait, oui, c'était au gars qui était derrière avec sa voiture. Du coup, on lui a ramené, on a dit Seigneur, Seigneur, voilà. Ah, gracias, merci, t'es nada, on s'en fout. Voilà. C'est notre bonne action du soir. Bonsoir. Voilà, bon, il lui en manquait deux, hein. On en a trouvé qu'un, mais peut-être qu'on en trouvera un plus tard, hein, on sait jamais. C'est une chienne malheureuse, oh là là, c'est une chienne malheureuse, regardez ça. Oh, t'es une chienne malheureuse, toi. Ah oui, ah, t'es une chienne malheureuse, toi, oui.
petit ventre, le petit ventre. J'aime bien le petit ventre. Oui, le petit ventre, oui. Oh là là, regardez avec ses deux papates en l'air. T'es malheureuse? Oh la béatitude. Arrête pas. Mais t'arrêtes pas, papa. Mais t'arrêtes pas, pourquoi tu t'arrêtes? Hein? Oui. C'est bien, ma fille. Bon, mais ce soir, faut pas changer des autres soirs. Bah, feu de camp, quoi. Petite brindille devrait y être rouge. Ouais, vite fait, hein. C'est... Bon, il a fait des flammes, mais c'est pas concluant, quoi. En tout cas, ça fume. Oh oui, ça prend. Il va bien partir. Oui, moi je pense. Il est un peu timide, mais devant il est bien parti. Moi, je pense que devant il est bien parti. En rythme. Ben voilà, c'est bien parti là. Il suffisait de lui parler avec amour. Ouais, il y a un peu de carton. C'est pour le faire prendre bien tout autour. Ouais. Les câbles. De frein. Bon, on l'a accéléré, mais il y aurait été. Hein. Mais oui, tranquillement. Il coule bien partout en même temps. Mieux. Donc voilà, il y avait un espèce de mur de pierre là. Et on a fait un petit foyer là. Et puis on a fait un mur un peu plus haut là pour pas que ça prenne le vent. Je sais pas si ça fonctionne bien, mais bon. Là, ça monte bien droit là. C'est surtout qu'on a fait un passage pour pouvoir aller passer tranquille sans se viander le soir. Parce que, tu vois, bon, mais on continue les barbecues en pleine nature, ah, c'est trop cool, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est Francky qui tient la pince. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ça. Oh, la beauté. Bon, ben voilà. Hein. Bon, alors on n'est pas des gros mangeurs de viande, hein, parce qu'on va quand même se partager ça à 5, hein, donc on n'est pas des gros mangeurs de viande. Non, on n'aime pas la viande, c'est vrai qu'on n'aime pas ça. Ah si, on aime bien, mais bon, bah, c'est pas toujours, quoi. Voilà, deux morceaux pour 5, comme quoi, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour se régaler. Il faut que ça soit bon, surtout. Donc voilà. Coucou mère. Coucou, il fait combien de degrés? 3 degrés, c'est ça? Et demi. Il fait 3 degrés et demi ce soir. Donc le feu... Le feu un peu plus. Et cet après-midi, il faisait 25. Alors le feu, donc, est agréable. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Non, moi, j'aime bien. Ouais. Voilà. Cet après-midi, il faisait 25. Et ce soir, il fait 3 degrés et demi. Voilà, donc le feu, voilà, il est bienvenu. Voilà, on a mangé une bonne grillade.